question qui se pose, c'est que si les gens font des efforts comme ça pour construire leur maison, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour se loger. Et il faut savoir que ce n'est pas le maire seulement qui attribue les logements. Il y a le conseil général, le conseil régional, il y a l'État, il y a la CAF, il y a tout ça, il y a l'État aussi. Je suis désolé, on entre dans un processus de travail. Et un logement, trouver un logement démoli si on veut éliminer les quartiers spontanés ou bien les quartiers informels. Il y a des endroits, là où les gens sont installés, j'ai visité le quartier hier, il y a beaucoup d'espaces où on peut faire des routes. Il y a des endroits qui sont assez loin, qui sont pourris. Il n'y a même pas de lieu pour passer. Moi, je suis d'accord quand il y a des gens qui sont là depuis longtemps. Je l'ai déjà prouvé. Je n'ai pas de leçon à recevoir de quiconque de ce côté-là. J'ai prouvé que j'étais capable de pouvoir reloger des gens lorsqu'ils sont même en situation irrégulière, lorsqu'ils sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'ils ont des enfants, j'arrive à trouver des solutions. C'est vraiment dur, mais il faut trouver une solution avant de démolir. Parce que je sais que la population, des fois, est dure. Il construit sans arrêt, mais il n'a pas de moyens. C'est pas dire que vous êtes là depuis 10 ans, 15 ans. Quand les gens sont là 10 ans, 15 ans, je me débrouille toujours pour trouver une solution. Mais lorsqu'on vient comme ça, à la dernière limite, on entend parler à la radio, on sait qu'il y a telle ou telle opération qui va se passer dans tel ou tel endroit, on va se précipiter exprès là-bas. Et puis en plus, on se débrouille pour pouvoir financer les maisons avec un système de fraude, je ne sais pas, avec des tôles qui viennent d'Albina ou des choses de ce genre. Est-ce ok accepter que ce monde-là vit dans les terrains? Non, mais... D'accord. Les personnes concernées étaient averties. En 2012, il y avait à peine 7 maisons. Aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, il y en a pratiquement une centaine. Ce qui veut dire qu'on savait qu'il y avait un projet et qu'on s'est dit qu'en construisant là, on sera relogé automatiquement. Donc c'est difficile aujourd'hui de trouver des solutions alors qu'on aurait pu les trouver bien avant. Alors ceci dit, il faudra trouver un lieu où mettre ces gens-là. Et c'est là que se pose véritablement le problème, qui est un problème qui dépasse la seule compétence du maire de Saint-Laurent-du-Maroni. Et on sent bien qu'en Guyane aujourd'hui, il faut véritablement qu'il y ait une approche différente de l'État par rapport aux problèmes que nous rencontrons. On ne peut pas avoir un pays où la première mission régalienne de l'État est celle de contrôler les frontières, qui ne le fait pas, qui impacte la totalité de la gestion du département, quand je vois le nombre d'écoles que je dois construire, et qu'on vienne toujours voir le premier magistrat, le maire, et que les autres qui ont une politique défaillante et qui provoquent les effets que nous connaissons aujourd'hui ne fassent rien du tout. Et je fais vraiment appel à tout le monde, si véritablement il n'y a pas de solution d'apporter, nous risquons d'avoir, et je le dis depuis quelque temps, des lendemains qui seront durs pour tout le monde. Pour tout le monde, aussi bien les élus que pour l'État. Et je ne le souhaite pas. Et donc aujourd'hui, je souhaite que ce qui s'est passé aujourd'hui soit un véritable message qui dépasse les autorités publiques de la Guyane et aille jusqu'au gouvernement français. Vous êtes satisfait de la réponse du maire ou... Ah non, pas du tout, puisque monsieur le maire nous dit qu'il ne peut rien nous dire, que c'est une décision de justice et qu'il ne peut rien faire pour eux. Alors que c'est lui qui a amené les gens à la justice et la Seine-Saint-Marc.